chaîne Isaya. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga du son de 45 minutes. Une séance qui va être dédiée à la purification des émotions. Il faut savoir que dans la médecine traditionnelle chinoise, chacun de nos organes est impacté par des émotions. Donc, les reins, c'est les peurs, la colère, c'est le foie, les tristesses, c'est le poumon, les rancœurs, le ressassement, ça va être l'estomac, la pancréas. Donc, dans cette séance, nous allons purifier chacun de nos organes afin d'être complètement libérés de toutes ces émotions que nous avons stockées et qui perturbent la circulation de notre énergie. Vous pouvez aussi, si vous avez juste envie de libérer un organe, aller sur ma chaîne et consulter les autres vidéos sur lesquelles j'ai mis des pratiques en avant, plus sur la peur, la colère. Voilà, aujourd'hui c'est une pratique globale, donc on va faire tous les exercices en les enchaînant. Vous aurez besoin d'un tapis de yoga et d'un coussin de méditation. A tout de suite, je vous attends. Et surtout aussi, n'oubliez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour me soutenir. Merci. Venez vous asseoir en Sukhasana, amenez les deux mains à l'arrière du dos, en coupe inversée. Vous avez les pieds sous les genoux. Absorbez le pubis, le coccyx, les deux côtés du buste s'étirent et s'allongent, les coudes sont fléchis. Inspirez, expirez profondément. Amenez les deux mains au centre dans la poitrine et nous allons commencer la séance par un mantra avec le mantra Om. Ensemble trois fois. Om. 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 Écoutez la résonance du Om dans l'espace du cœur. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Jai Gurudev Shri Kali Mahadeva Brahma Vishnu Maheshvara Shri Kali Mahadeva. Amenez les mains sur les genoux, les doigts tournés vers le ciel. Laissez les yeux s'ouvrir et regardez vers l'avant et vers le bas. Prendre plusieurs profondes, inspiration, expiration. Et nous allons commencer la séance avec le son du poumon pour chasser toutes nos vieilles tristesses. Donc, venir vous asseoir en Vajrasana sur les genoux si cette posture est inconfortable. Vous pouvez mettre des couvertures sous les genoux ou alors vous asseoir comme tout à l'heure en tailleur. Bien. Donc pour préparer chacun des exercices, on a un asana qui va venir ouvrir l'organe, ouvrir l'espace autour de cet organe. Et ensuite, un exercice avec un son, une intention, une visualisation. Donc, pour le poumon, nous allons préparer avec Gomukhasana, la posture de la tête de vache. La main droite à l'arrière du dos. Étirez le bras gauche vers le ciel, fléchir le bras gauche, attrapez les deux mains à l'arrière de votre dos. Si vous ne pouvez pas attraper vos mains, je vous invite à prendre une sangle ou un foulard. Inspirez, expirez profondément. Étirez le bras gauche vers le ciel, montez le coude gauche. Et roulez l'épaule droite vers l'arrière. Inspirez le son I dans le côté gauche. Expirez le son OU dans le côté droit. Changez de côté, fléchir le bras gauche à l'arrière du dos, étirez le bras droit vers le ciel,
fléchir le bras droit au niveau du coude et entrelacer les deux mains à l'arrière du dos. Si vous n'entrelacez pas les mains, n'oubliez pas votre centre. Gomukhasana, la tête de vache. Inspirez le son I, étirez le coude vers le ciel, expirez le son U, descendre l'épaule gauche vers le bas. Il faut savoir que la vache, c'est un animal sacré en Inde. Elle est respectée. Parce que c'est un animal qui va donner du lait, qui permet de faire du fromage, des produits laitiers, des yaourts, du beurre. Donc les hindous respectent cet animal et le considèrent comme un animal sacré. C'est pour ça que vous retrouvez la posture de la tête de vache dans les asanas. Continuez à inspirer le son I, expirez le son U. Relâchez la saisie des mains. Vous allez vous mettre sur les tibias. Vous pouvez même crocheter la terre avec les pieds. Maintenant, on commence l'exercice. Vous allez vous aider avec le son. D'accord ? Sur l'expiration. Prenez contact avant même de commencer. Prenez quelques instants pour vous mettre en contact avec votre intériorité. Venez ressentir vos poumons, cet organe. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez respirer librement? Est-ce que vos poumons vont être contractés? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vous ressentez de la densité dans ce poumon? Parce qu'après, on va faire un exercice pour voir la différence. Amenez les deux mains devant le poumon. Et vous allez imaginer que les mains sont des capteurs énergétiques et que vous attrapez toutes les tristesses des poumons sous forme d'une fumée grise que vous rejetez dans la terre avec le son. Et inspirez la belle lumière blanche éclatante, vous remplissez le poumon d'énergie fraîche, de lumière blanche. Inspirez la lumière blanche. Attrapez toutes ces tristesses des poumons et jetez les tristesses avec le son dans la terre. Inspirez la lumière blanche. Expirez les tristesses. Inspirez la lumière blanche. Expirez la tristesse. Et faites tous les poumons en haut, en bas, sur les côtés. N'oubliez pas, l'énergie va là où va l'intention. Si vous avez l'intention de purifier, c'est ce qui est, c'est ce qui se fait. Les côtés. Inspirez la lumière. Attrapez les tristesses dans la terre. Et même si vous n'arrivez pas à visualiser, l'exercice se fait quand même. Ne mettez pas de doute. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans la puissance de cet exercice. On va passer de l'autre côté.
Prenez quelques instants pour observer la différence entre le poumon que vous venez de travailler et l'autre poumon. Peut-être vous ressentez plus d'espace dans celui qui vient d'être travaillé. Sinon, c'est que vous n'avez pas assez pratiqué, je vous invite à recommencer. L'autre poumon à présent. On attrape toutes les tristesses, la densité, la noirceur du poumon et on le jette, on l'offre à la terre. Lumière blanche éclatante pour nourrir le poumon. Inspirez la lumière blanche, nourrissez le poumon avec la lumière, attrapez toutes ces tristesses, les vieilles tristesses, les tristesses transgénérationnelles qu'on envoie dans la terre. Venir vous rasseoir sur les mollets, sur les talons et observez l'espace du poumon, comment vous sentez vos poumons. Nous allons à présent travailler sur la colère. Urdhvastasana en Vajrasana, inspirez, étirez les deux bras vers le ciel, expirez, torsion vers la droite. Grandissez les deux côtés du buste, les deux épaules sont sur la même ligne et tournez le buste vers la droite. Revenir dans l'axe, Urdhvastasana, étirez les deux bras vers le ciel, expirez, Parshva Vajrasana, vous tournez du côté gauche. Étirez les deux côtés du buste, soulevez les deux côtés du buste, la poitrine, regardez derrière vous. Inspirez, expirez profondément. Revenir dans l'axe. Ici, vous pouvez vous asseoir en Sukhasana, les deux pieds sous les genoux. Amenez les deux mains devant votre foie. Prendre contact avec le foie, sa densité. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Comment vous ressentez votre foie? Et vous allez imaginer, le foie c'est du côté droit. Hein? Voilà, très bien. Vous allez imaginer que vous allez aspirer toutes ces colères du foie pour les jeter dans la terre. Et les colères, vous les visualisez, cette énergie de forme verdâtre.
Et ensuite, vous inspirez une lumière turquoise pour recharger le foie. Et on va utiliser le son chui. Mes miens viennent capter toutes les colères du foie. Et je jette les colères. J'inspire la lumière turquoise. J'inspire le turquoise, je viens nourrir le foie. Choué. Toutes ces colères, vous avez pu exprimer, vous n'avez pas exprimé, vous avez reçu, qui ont été vécues dans votre arbre généalogique. Non. Attrapez tout ça du foie et jetez-les, rendez-les à la terre. Choué. Dégagez cette fumée jaunâtre, verdâtre et remplissez, rechargez le foie avec un turquoise, une belle lumière turquoise éclatante. Choué. Une dernière fois, choué. Gardez les yeux fermés, ressentir votre foie. Est-ce que vous sentez une différence avant, après l'exercice? S'il n'y a pas de différence, pratiquez encore. Le son de la rate, l'estomac, pancréas. Vous venez vous allonger, on va le préparer avec Diwipadam Pawan Muktasan. Allongez le dos sur le sol et entrelacez les genoux. Rapprochez les genoux du bassin et vous allez monter la tête et expirez le son pour faire vibrer tout l'abdomen. Oh.
relâcher la tête sur le sol et venir vous asseoir, étirer la jambe gauche, amener le talon du pied gauche contre l'aine interne, du pied droit contre l'aine interne droite, ici, amener les deux mains devant, je vais me tourner de l'autre sens pour que vous puissiez bien le voir, amener les mains devant l'estomac, prendre contact avec l'estomac, comment est-ce que vous ressentez votre estomac? Et on va attraper toute cette énergie de ressassement, de pensée qui s'envole dans tous les sens, de frustration, et on l'envoie dans la terre. Vous visualisez une couleur jaunâtre, et vous allez recharger avec un jaune ocre. Et le son, c'est... Inspirez la lumière or dans l'estomac. Expirez le rouge et la couleur jaunâtre. Inspirez l'or, venez nourrir l'estomac avec la confiance, la stabilité, la lumière or, jaune or. Expirez les frustrations, expirez le ressassement. Et jetez cette lumière jaunâtre dans la terre. Inspirez le jaune or, expirez le son. Inspirez la lumière or, deux fois pour terminer. Accueillez la résonance de l'exercice, observez la sensation dans votre estomac. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus léger, plus détendu ? Comment est votre esprit? Est-ce qu'il est calme, libre des pensées? Et maintenant, nous allons travailler le son des reins. Pour les sons des reins, vous allez vous allonger en balasana, la posture de l'enfant. Amenez les deux mains sous le front. Vous fermez les poings. Ici, on va directement passer l'exercice. Vous allez expirer le son tiou en visualisant que vous expirez de la fumée noire des reins et vous inspirez une belle lumière bleu des abîmes, un bleu très profond pour venir nourrir les reins avec la confiance. Mettez-vous en présence de vos reins, descendez votre conscience dans les reins. Comment est-ce que vous ressentez vos reins? Et ici, nous allons vider, chasser toutes les peurs. Avec le son. Expirez les peurs des reins. Avec la fumée noire,
Inspirez. Le bleu des abîmes. Inspirez le bleu des abîmes à l'intérieur des reins. Inspire le bleu des abîmes, la confiance, expire le tiou et toutes les peurs transgénérationnelles de terrain. Une dernière fois. Amène les deux mains devant toi. Passe à quatre pattes, rochette la terre avec les pieds. Envoie les fessiers vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Relâche la tête. Inspire, expire profondément. Garde les pieds, les jambes bien tendues. Marche vers les mains. Uttanasana. Rotule remontée. Presse le devant des cuisses vers l'extérieur. Étire le buste. Grandis, soulève la poitrine. Expire, incline-toi vers l'avant. Relâche la tête. Remontez. Le dernier son, le son du cœur. Ici, on va travailler en deux fois. On va faire une première partie, une deuxième partie. Première partie, je me rapproche. Vous allez faire ce mudra ici, mettre les pouces à l'intérieur des mains et faire un bec de canard. Vous inspirez en fermant la bouche. D'accord? Ok. Donc, là, on vient diffracter tous nos différents corps, tout ce qui entoure
le centre du cœur, d'accord? Donc c'est comme si on venait faire un coup de checker pour décoller toutes ces densités émotionnelles que nous allons rejeter à nouveau dans la terre tout à l'heure. Donc, préparez les mains, on amène les bras tendus, les pieds ouverts à la largeur du bassin, inspirez la tête vers le haut, vous allez garder une apnée, fermez la bouche, gonflez les joues et amenez le menton sur le sternum. Et ensuite, on secouera les bras. On y va ensemble. Vous faites cet exercice jusqu'à ce que vous ayez plus de souffle. Jusqu'au max de votre apnée. Encore deux fois. Amenez les mains, paumes tournées vers le sol, au-dessus de la poitrine, et vous allez longer tout votre buste et jeter dans la terre. Et on va faire ça avec le son A. On inspire le son A, et on expire le son A, on envoie toutes les densités dans la terre. Vous pouvez même écarter un peu plus les jambes là, ici. Et on change de côté une fois l'un, une fois l'autre. Deux fois. Accueillir. Observez votre espace intérieur. Venir vous asseoir en posture de méditation. Remerciez la terre d'avoir accueilli toutes vos énergies, toutes vos émotions, toutes vos émotions viciées, tout ce que vous ne souhaitiez vous débarrasser. Venir vous asseoir en posture de méditation, soit les pieds sous les genoux, soit en Sukhasana, avec les pieds sous les genoux, soit sur un petit banc comme moi, une chaise, la posture qui vous est le plus confortable. Choisissez le mudra qui vous plaît et prenez de profondes inspirations et expirations. Sur chaque inspiration, vous imaginez que vous inspirez une substance lumineuse, apnée, vous concentrez cette substance lumineuse à l'intérieur du corps,
et vous expirez. Vous laissez cette lumière se diffuser dans tous vos corps énergétiques. À nouveau une apnée. Inspirez la lumière. Apnée, concentrez la lumière à l'intérieur de votre corps. Expirez la lumière à l'intérieur de tous vos corps d'énergie. Apnée, accueillez. On va continuer ce cycle respiratoire. Et à présent, on va rajouter des affirmations positives. Intérieurement, en visualisant que vous inspirez la lumière, que vous la concentrez et que vous la diffusez, intérieurement, vous allez répéter après moi ces phrases. C'est une méditation très puissante d'éveil du corps de lumière. Inspirez, j'inspire la substance lumière. Apnée. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. Expirez. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Apnée. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. Apnée. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. Expire. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Apnée. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. Apnée. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. Expire. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Apnée. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Continuez avec vos inspires, votre intention à concentrer la substance lumière à l'intérieur de vous, à l'expirer dans vos corps d'énergie. Une dernière fois en vous donnant le cycle, ensuite je répéterai uniquement les affirmations positives. J'inspire la substance lumière. Apnée. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. Expire. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Apnée, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. J'inspire la substance lumière. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Continuez à amplifier la luminosité à l'intérieur de vous et dans tous vos corps d'énergie. J'inspire la substance lumière. La lumière purifie mon corps et illumine mon être. La lumière se diffuse dans mon aura et irradie dans l'univers. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Vous mettre à l'écoute de la résonance de cette respiration d'éveil du corps de lumière.
et restez quelques instants en état méditatif. Amenez les deux mains au centre de la poitrine. On va clôturer la séance avec le mantra Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Merci. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne.